Isabelle Berman et Valentina Sobella vont présenter, parler, dire quelques mots de l'ouvrage d'Antoine Berman, posthume, et consacré à Jacques Amyot, traducteur français, que eh bien, nous ici, et le nous de la rue et le nous de la collection, avons le plaisir d'annoncer comme devant paraître imminemment. Et donc c'est maintenant, je passe la parole à Isabelle, ensuite et puis ensuite nous ouvrirons par le Tiffen, Patrick Quillet, Robert Labreux, Martha Rueff, et puis la suite. Alors voici l'objet en question. C'est Jacques Amyot, traducteur français, encore sous forme de manuscrit, mais de manuscrit prêt à l'édition. Si quelqu'un veut le feuilleter tout à l'heure, il est à votre disposition. Il ne faut pas qu'il l'emmène. Ce qui nous est resté est donc un brouillon d'un livre à venir. Nous savons aussi clairement son inachèvement. Inachevé également est son dernier livre sur John Donne. Mais il s'agit là d'un inachèvement différent où l'essentiel est écrit et apparaît éclairé par les pages blanches manquantes. L'inachèvement du livre sur Amyot ouvre un certain nombre d'interrogations, celle du statut de cet ouvrage tout d'abord. Le prière d'insérer de Michel Déby au début de son tombeau de Dubélé annonce « Ceci n'est pas une étude ». Je pense qu'on peut en dire autant pour l'ouvrage Jacques Amyot, traducteur français. Amyot, à ma connaissance, dit écrit Antoine, est le traducteur qui a eu le droit aux études les plus nombreuses. Ni Saint-Jérôme, ni Luther, ni Galland, ni Chateaubriand n'ont bénéficié de travaux aussi systématiques. Notre propos n'est pas de les concurrencer, mais de prendre appui sur eux, sur ces études. Il y a des coupures, donc les accords sautent. Plus loin, notre travail prend appui sur les sources primaires, c'est-à-dire Oresme, Amyot, Dubélé, etc., et les sources secondaires, les historiens, en se proposant une interprétation en France et en Occident qui se situe souvent au-delà du véritable. Cette interprétation met en œuvre des catégories forgées ad hoc qui nous paraissent essentielles à la lecture de l'histoire de la traduction occidentale, mais qui, évidemment, ne proviennent ni de cette histoire elle-même, ni des études historiques. Ainsi, des concepts comme projet de traduction, horizon de la traduction, idéal traductif, grande traduction, visée de la traduction, centre de gravité de la traduction et autres. À lire ce qu'écrit Antoine lui-même, ces catégories, au fil de cet ouvrage, sont peu à peu explicitées et approfondies. Leur multiplication délibérée cherche à correspondre à l'évidente multidimensionnalité de l'histoire de la traduction. Elles doivent être jugées à leur fécondité et non à leur scientificité. Notre travail, aussi érudit soit-il, se situe dans la dimension de l'essai réflexif. Il reprend un peu plus loin. Plutôt qu'une étude historique, il s'agit d'une réflexion sur l'historicité de la traduction, passant sans relâche de l'empirique au transcendantal. Antoine craignait, dans le texte premier que nous avons vu tout à l'heure, que son livre sur Amyot soit trop réflexif, trop historique.
c'est dans une certaine mesure par ses craintes qu'il est guidé. En l'état, le manuscrit présente et développe trois lignes de réflexion qui parfois s'entrelacent et parfois restent encore séparées. On sent sensiblement que pour rendre compte d'une réflexion sur la traduction, il faut une écriture. Quelle écriture est celle d'une pensée de la traduction? Pour lui, peut-être, une écriture solitaire, très solitaire, mais fondée sur une intime collégialité. Il cherchait sans doute cette intimité lorsqu'il écrivait dans son texte, lu tout à l'heure, la remontée archéologique vers Amio et a fortiori Oresme n'autorisait aucune intimité immédiate. Il s'agit d'une intimité singulière qu'éclaire la citation d'Heidegger qu'il présente au début de son séminaire publié « La traduction de la lettre ou l'auberge du lointain ». Une intimité qui fonde une expérience, ou qui la contient, qui vous traverse, comme dit Heidegger, comme faire une maladie. Traduire est une expérience qui vous traverse, trouver l'écriture qui rende compte d'une pensée de la traduction doit rendre compte d'une intimité qui se conquiert, qui prend son temps et qui transmet, ouvre des champs de réflexion. Penser, me disait un jour Antoine, est un plaisir. Merci beaucoup. On se réjouit énormément de l'apparition de ce livre. Et bien entendu, dès qu'il paraîtra, je ne sais pas encore, ça dépend des éditions Belin, ça sera au premier trimestre 2012, on fera une lecture dans une librairie, bien entendu. Ça, c'est un avant-goût qui nous donne tout ce qu'on fait attendre ça. Bon, alors, on ouvre l'entretien au débat proprement dit, et par conséquent, c'est maintenant. Ah, voilà, tu voulais dire quelque chose ? Pas vraiment. Non, c'est une impression de lecture. Non, mais allez-y, n'en parlons. Vous prenez les pages, vous dites, non, c'est pas seulement. Non. J'ai prévu les pages parce qu'elle a pas. Non, allez-y, Valentina Semelac, qui a fait le boulot avec Isabelle, dit quelques mots. Non, mais c'était. Si, Valentina, alors, on fait ça comme ça, amicalement. Bonsoir. Non, il n'y a pas vraiment. C'est pas vraiment grand-chose à ajouter parce que, après, vous allez voir une fois le livre paru. Il y aura sûrement justement des débats plus techniques. Moi, personnellement, ce que je voulais juste vous dire, c'est une impression de lecture d'un lecteur habitué à fréquenter l'ouvrage d'Antoine Berman. Et quand j'ai commencé à travailler avec Isabelle à la préparation de ce manuscrit, au début, j'étais un peu. J'avais un peu peur qu'il s'agissait justement d'un livre trop technique sur le XVIe siècle, d'un livre trop érudit, justement. Et que pouvait concerner moins, disons, le côté philosophique de la pensée d'Antoine, qui est celui que personnellement me tient le plus à cœur, par rapport à d'autres textes, par exemple celui sur le séminaire de Benjamin, par exemple. Bon, au fur et à mesure que le travail avançait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout comme ça, et que par contre, dans ce livre sur Amio, à mon avis, il y a un souci de la part d'Antoine Berman, de systématicité majeure dans tous les autres textes. Oubliés. je ne sais pas, m'exprimer sur ceux qui ne sont pas oubliés. Mais en tout cas, et cette espèce de lutte pour trouver une systématicité, une pensée qui est quand même assez fragmentaire, parce qu'elle a été interrompue trop tôt, parce que. Elle retourne sur le même objet et à chaque fois en mettant en évidence un côté différent. Et c'est comme une pensée en spirale, à mon avis, la pensée d'Antoine Berman. Par contre, dans ses livres, justement, avec les trois actes qu'il disait Isabelle, sont le souci de systématicité et de rechercher à travers le miroir de l'archéologie et justement de la remontée archéologique vers quelque chose qui n'était pas immédiatement
intime comme pouvait être, par exemple, le romantisme allemand pour lui. Par contre, à travers ce miroir, cet écran, disons, paradoxalement, Antoine Berman arrive à clarifier beaucoup de ses concepts que dans d'autres textes, il reste un peu obscur. Ça, c'est mon impression de lecture. Donc, voilà, c'était juste... Mais j'aimerais bien qu'une fois le livre paru, on puisse avoir un débat ou que ça puisse se vérifier. Parce qu'évidemment, moi, je l'ai lu et pas vous. Donc, donc, c'est ça. On en a lu voilà. Le chapitre. C'était juste un petit mot. Quelques-uns dans le chapitre, dans la rue Poésie numéro... Avant-dernier. Voilà, tout à fait. Voilà, c'était juste une remarque de lecteur, donc voilà, pas plus. Bon, merci Valentina, et donc la prochaine fois, on ne parlera que de ça dans la présentation. Et, alors, je signale que beaucoup de gens qui font la revue de poésie, par exemple Claude Mouchard, devraient être là avec nous, parce que tout le monde traduit Mouchard à travers. Claude est justement en train de préparer à l'Extrême-Orient un numéro à venir qui sera consacré à la Corée. Enfin, il n'est pas là. Et quelques autres, Pierre Malraux qui est dans la salle, là, bon, on y va comme on y va, c'est-à-dire en commençant grâce à Tiffany. Bon, merci beaucoup Michel. Moi, je suis particulièrement heureuse d'être venue cet après-midi sur la traduction, étant donné l'importance en effet que cela a pour la revue Poésie, hein, puisqu'il n'est pas question de se laisser toucher uniquement par une poésie nationale ou une poésie qui s'écrirait dans les seules langues que l'on connaît, mais d'essayer de la faire vraiment sans frontières et donc de s'interroger constamment sur qu'est-ce qu'on lit quand on lit de la poésie en traduction et qu'est-ce qu'on fait du coup quand on la traduit et quand on cherche à la transmettre. Et c'est le travail d'une revue que de transmettre la poésie et ça a été toujours le travail de Michel Deguy de ne pas transmettre uniquement la poésie au plus près, mais toujours... jusqu'au plus loin, je dirais. Donc, je suis aussi très heureuse d'avoir eu cette introduction sur Antoine Berman. Puis dans la petite introduction que je vais conduire pour ma part, je ferai référence à deux de ses livres. Donc, je crois que c'est particulièrement important à chaque fois qu'un inédit de lui paraît. Il y a quelques années, donc, est paru L'âge de la traduction sur sa lecture très très précise et absolument décisive de la tâche du traducteur, ce texte extrêmement opaque et important de Benjamin, très court texte, mais qui est enfin, vraiment encore à réfléchir pour tous celles et ceux qui, comme nous, réfléchissons à la traduction. Donc c'est vraiment un ouvrage majeur sur ce sujet. Donc on attend toujours avec impatience, on sait qu'il y en a encore d'ailleurs, donc on attend celui-là avec impatience, on attend aussi les prochains. Donc bon, bonne continuation de votre travail. Et alors, je suis particulièrement heureuse d'avoir comme invité aujourd'hui Patrick Quillet, qui est ici en face de moi, du coup, sur cette table presque ronde, et avec qui le dialogue a été amorcé il y a très peu de temps, 3 semaines environ, à Arles, lors des assises de la traduction littéraire qui se tiennent chaque année à Arles, et où... j'ai amorcé avec lui et quelques autres un dialogue sur la traduction des monstres. C'est pas notre choix d'avoir intitulé cette table ronde ainsi, c'est le choix des organisateurs du colloque, mais disons de ceux et celles qui se sont attelés à la traduction de textes réputés, impossibles à traduire. Et donc pour Patrick Quillet, l'œuvre de Fernando Pessoa. Patrick Quillet qui a traduit la poésie de Pessoa pour l'édition de la Pléiade et puis d'autres éditions chez Bourgois, qui est lui-même poète. Il a publié 2 recueils, Office du murmure et puis Orifice du murmure. Mais en fait, je ne sais pas dans quel ordre. C'est le bon ordre. C'est le bon ordre, voilà. Et donc, qui va intervenir aussi sur ce rapport entre poésie et traduction. Et puis pour conduire le dialogue avec lui ensuite, je suis particulièrement bien entourée, puisque je suis entourée de Robert Davreux, qui est traducteur de l'anglais, poète, traducteur aussi du grec, lancé dans cette énorme entreprise de traduction de l'Hérotocritos, et maintenant beaucoup aussi hanté par les problèmes des rapports entre
théâtre et traduction. Je dis d'avance qu'au mois de janvier, il sera au centre d'un entretien de poésie justement sur cette question de théâtre et traduction. Je pense autour de cette traduction de l'Érotocritos. Non, aussi des traductions de Sophocle. Et aussi des traductions de Sophocle. Voilà. Et puis de mon ami Martin Rueff, donc qui est traducteur, beaucoup traducteur de l'italien, mais il traduit aussi d'autres langues, mais disons que son rapport à la traduction de la poésie et même à l'écriture de la poésie se joue dans et avec la langue italienne. Et donc je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire une brève introduction sur ma façon de penser poésie et traduction autour d'une forme de déconstruction rapide de l'énoncé que l'on entend souvent et qui est comme une sorte de lieu commun du discours sur la traduction, à savoir la poésie est intraduisible. Comment est-ce que l'on peut déconstruire cet énoncé? Et notamment, on peut le déconstruire, je vais l'expliquer dans un instant, à l'aide de propositions de poètes qui sont dans la salle, et dont je salue Jacques Roubaud, dont je vais présenter la proposition de déconstruction dans quelques instants. Et puis, ensuite, je donnerai la parole à Patrick Quillet, qui va nous présenter un peu, voilà, tranquillement, en tout cas. Intranquillement. Ben, tranquillement, bien sûr. Avec la tranquillité. Son travail sur Pessoa, et ensuite nous amorcerons le dialogue avec Robert Davreux et Martin Rueff, et puis ensuite avec vous. Voilà, si vous voulez bien. Donc je bois un petit peu d'eau et je me lance. Je me relance. Donc j'ai essayé de réfléchir à ce qui sous-tendait cet énoncé si fréquemment avancé, selon l'équipe venue, donc un topos, hein, la poésie est intraduisible. Et pourquoi on la traduit quand même, hein, et pourquoi et comment plutôt, parce que finalement, c'est pas forcément, enfin je veux dire, un topos a toujours une raison d'exister. Donc il ne s'agit pas de renverser complètement la proposition, mais de réfléchir aux possibilités du traduire quand même. Alors en même temps, cet énoncé concerne moins la traduction, me semble-t-il, que la poésie elle-même. Et d'abord, lorsqu'on dit la poésie est intraduisible, c'est aussi, je pense que c'est aussi pour dire que la poésie est une différence pure. Et c'est pas la question de la traduction qui est en jeu, que la question de la poésie elle-même. L'intraduisible fonctionne comme une distinction. Contrairement à plein d'autres discours, plein d'autres langages, et notamment tout langage communicationnel, la poésie, elle, hein, qui est dans l'expression, est intraduisible. Donc il y a d'abord, d'un côté, ce qui serait traduisible, donc une sorte de discours diffusable, ou l'universel reportage, hein, et puis, de l'autre, un langage caractérisé par son intraduisibilité. L'intraduisibilité, c'est d'abord un principe et un principe différentiel. Ensuite, si la poésie est considérée comme intraduisible dans certaines pensées, dans certaines théories, et ça, Antoine Berman le montre très bien dans son ouvrage, celui qui l'a rendu célèbre, L'épreuve de l'étranger, c'est parce que la poésie est elle-même traduction. Comme elle est pensée comme traduction, eh bien, une traduction de traduction n'est pas possible. Donc ça, c'est un peu plus compliqué comme idée, mais enfin, c'est celle qui est développée notamment par les romantiques allemands. C'est l'idée que comme la poésie est traduction de la nature, on ne peut pas la traduire. C'est la traduction du langage de la nature en langage d'art qui, en quelque sorte, atteste d'une origine sacrée de la poésie, par quoi le poète rejoindrait une origine, une sorte de commencement du verbe, de jaillissement de parole, et c'est ce commencement ou ce jaillissement qui serait intraduisible. Donc on va voir après les réponses que peuvent donner certains traducteurs justement à cette question de l'origine.
Alors, je voudrais lire un petit passage. Alors là, je vais vous dire de l'écran parce que sinon je vais pas en sortir. Un petit passage de l'épreuve de l'étranger, justement, qui évoque ce point. Tel est le paradoxe d'une communication sans communiquer, d'un langage universel et vide, proposant à l'oreille humaine l'imminence d'une révélation future ou les vestiges d'une révélation passée. Et là, Berman cite Novalis, tout ce que nous vivons est une communication. Ainsi, le monde est-il effectivement une communication, une révélation de l'esprit. Le temps n'est plus où l'esprit de Dieu était compréhensible. Le sens du monde s'est perdu. Nous sommes restés avec la lettre. On pourrait parler ici, dit Berman, d'une poéticité universelle des choses, si la poésie peut parfois sembler être le sens de ce langage du monde perpétuellement silencieux et perpétuellement en instance de parole. On saute un petit passage. Le système des signes proprement linguistiques paraît comme frappé de pauvreté par rapport à cette incessante communication du monde. La tâche de la poésie, dès lors, est de rapprocher le langage humain du langage universel. Alors, comment réconcilier cette conception du langage poétique comme traduction avec la traduction elle-même, avec la traduction interlinguistique? C'est ce qu'on verra dans un instant avec les réponses qui ont pu être apportées à cette question de l'intraduisibilité de la poésie. Un troisième argument en faveur de l'énoncé « la poésie est intraduisible », c'est l'argument selon lequel, qui se trouve à la fois chez les poètes et chez certains théoriciens, qui est que la poésie remédie ou rémunère, dirait Mallarmé, le défaut des langues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rémunérer le défaut des langues? Alors, est-ce que ça va du côté de la pensée d'une langue, une langue universelle ou originaire, auquel cas la traduction serait ce qui réparerait ce défaut? C'est sans doute une des façons dont on peut interpréter la tâche du traducteur, justement, de Benjamin, hein, où chaque traduction accomplirait la rencontre entre plusieurs langues et donc l'avancée vers la langue pure, enfin, c'est ce que lui appelle Reine Sprache, et qui est pas tout à fait compréhensible, puisque jamais, contrairement par exemple à ce que font d'autres théoriciens, jamais Benjamin ne rapporte cette langue pure à une langue originaire ou à une langue en avant, messianique. Donc c'est pas tout à fait clair. Ou alors ce lieu de réunion des langues serait précisément la poésie, et à partir du moment où la poésie réaliserait cette réunion ou cette idée plutôt, elle serait intraduisible. Donc cette pensée de la poésie est une pensée du langage poétique éloigné, stellairement éloigné d'une certaine manière du langage naturel, qui débouche par exemple chez Rilke sur une théorie de l'hermétisme, qui peut renvoyer aussi à l'état de mystère chez Novalis. Et donc là je cite une lettre fameuse, enfin, qui est souvent citée par les théoriciens de la traduction, une lettre de mars 1922 de Rilke, où il écrit que aucun mot dans le poème, j'entends ici, dit-il, chaque et, le, la ou les, donc les mots les moins sémantiquement forts, donc aucun mot dans le poème n'est identique aux mots correspondants de la conversation et de l'usage. L'ordonnance plus pure, le rapport plus vaste, la constellation où il prend place dans le vers ou la prose poétique, le change jusque dans le noyau de sa nature, le rend inutile et inutilisable pour le commerce ordinaire, intangible et durable.
Donc cette différence, ce changement, c'est pas tout à fait la même chose, une différence et un changement. Et je retiens le verbe de Rilke hein, qui est changé. Ce changement débouche forcément sur l'intraduisible, puisque dans la traduction, il y a une forme d'effacement de la relation entre de la littérature à la langue. Il est difficile, même si parfois on essaie de le faire, d'évacuer la dimension strictement linguistique de la traduction, sauf à recommencer le moment poétique de la traduction, ce que certains traducteurs d'ailleurs essayent de faire, hein, toute la théorie de Bollack, par exemple, et sa pratique, tente de se retrouver hein, dans le geste traductif, dans ce moment du jaillissement de la parole, hein, de retrouver ce moment où s'origine la parole du poète, la parole du dramaturge, hein, aussi éloigné fut-elle de nous, pour pouvoir traduire. Alors le dernier argument en faveur, peut-être le plus, dans un sens, le plus facilement démontable, hein, le dernier argument avancé en faveur de l'énoncé « la poésie est intraduisible », c'est évidemment l'adéquation supposée, ou la perception plutôt, d'une adéquation parfaite et donc partant intouchable de la forme et du sens dans la poésie. À la fois pluralité de sens, pluriel du sens et forme unique. Donc l'impossibilité technique, ou la supposée impossibilité technique du rendu commun de l'un et de l'autre ensemble viendrait confirmer le caractère essentiel de cette liaison. Et je dirais que c'est autant les problèmes de la traduction qui nous font découvrir l'essentialité de cette liaison que la revendication de la poésie elle-même, ça c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Donc, et c'est pour ça que j'affirme, à l'issue d'exposer de ces raisons, que c'est parce qu'il y a de la traduction, bien sûr, qu'il y a de l'intraduisible. C'est parce qu'il y a de la traduction que l'on proclame le dogme de l'impossibilité de la traduction ou de l'intouchabilité de la poésie. Alors c'est pourquoi je voudrais, dans un second temps, examiner avec vous les réponses apportées ou les arguments en faveur de la traduisibilité de la poésie, qui sont parfois formulées à l'intérieur des propositions qui disent que la poésie est intraduisible. Donc je proposerai de la même manière que j'ai proposé quatre arguments, je proposerai quatre réponses mais qui ne sont pas forcément des réponses en face à face avec les arguments. Alors on a une position pragmatique pour répondre à la liaison intraduisible et adéquation fond-forme. C'est par exemple celle de Jacques Roubaud, qui affirme, lui, que tout est traduisible, puisque la forme est toujours transportable. Et donc, c'est tout un travail sur la prise en compte des contraintes formelles et de la transposition de ces contraintes, grâce à quoi le sens arrive. Donc, on est là dans une pensée poétique du refaire, où il s'agit de retraduire le moment de la traduction, ce moment étant justement la forme. On a aussi une position théorique qui est celle des romantiques et qui finalement, comme réponse à l'idée que la poésie est intraduisible parce qu'elle est elle-même traduction, eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que les théories romantiques retiennent Antoine Berman dans L'épreuve de l'étranger, c'est-à-dire que les romantiques, tout en disant que la poésie est intraduisible, trouvent une façon de la traduire quand même, en la théorisant, la traduction, comme suréloignement. Et donc, d'une certaine manière, c'est la traduction, enfin moi je lis cela par le prisme en fait de l'analyse d'Antoine Berman, mais que la traduction révèle au bout du compte ce qu'est la poésie. Parce qu'en étant suréloignement,
elle fait comprendre l'éloignement que, qu'inscrit ou que propose la poésie elle-même. Donc l'intraduisible se réduit en théorie, parce que cette opération de traduction de la nature par l'art ressemble à l'opération technique de traduction elle-même. Et c'est ce que dit Berman dans L'épreuve de l'étranger. La traduction ne prolonge-t-elle pas, ne radicalise-t-elle pas ce mouvement qui est à l'œuvre dans l'œuvre romantique? Et ce que fait la traduction et sa force hein, pour penser la poésie, c'est un arrachement à la finitude du langage natif ou du langage propre. Puisque dans toute traduction, l'œuvre est en quelque sorte déracinée, l'éloignement de la littérature est une manière de le justifier, puisqu'il est déjà déracinement. Donc là, la traduction est toujours pensée comme traduction d'une traduction, et chaque opération, finalement, permet de comprendre l'autre. Mais c'est une position, je le redis encore, hein, qui est essentiellement théorique, qui ne donne pas de solution pratique, en tout cas, pour la traduction de la poésie. Alors, on a une troisième réponse, qui est aussi très, très bien exposée par Antoine Berman dans L'épreuve de l'étranger. C'est une réponse également pragmatique, et aussi théorique, hein, qui est la réponse de Hölderlin. Puisque, selon lui, ce que fait la traduction, c'est d'instaurer le dialogisme, en fait, dans la poésie, et de répondre, en quelque sorte, au monologisme de la poésie. Donc, tout d'un coup, de porter la poésie vers son autre, dans une expérience de la traduction de la lettre avant la lettre, on va dire. Et c'est finalement dans l'analyse très précise des traductions de Hölderlin qu'Antoine Berman trouve cette belle formule d'épreuve de l'étranger. Et ce dialogisme, il s'inscrit de façon, on va dire, à la fois radicale et bouleversante, hein, puisqu'il s'agit de faire une vraie expérience de l'autre. Pas simplement une expérience du dialogue équilibré, c'est vraiment de se laisser totalement entamer, éloigné déjà de son langage natif, mais aussi entamé violemment par le langage de l'autre. Donc c'est tout le travail de la langue grecque sur la langue allemande conduit par Hölderlin. Alors là aussi, on va dire, comme chez Jacques Foubault, hein, la réponse est assimile la traduction à un acte poétique. C'est la force de la forme ou la force de la lettre. Tout ce que, qu'a pensé, je ne sais pas si le livre sur Amiot continue d'en parler, mais tout ce qu'a pensé Antoine Berman autour de la notion de littéralité, qui est bien loin de toute pensée du mot à mot. Ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, une dernière réponse qui a pu être apportée, et qui est une réponse elle aussi pragmatique théorique, c'est celle du kairos ou du bon moment de la traduction, et d'une pensée de la traduction comme moment. C'est-à-dire que l'idée que presque tous les textes littéraires sont intraduisibles, mais qu'il y a un moment où on peut les traduire, cette pensée du kairos de la traduction, qui ferait que, soit après quantité de traduction, soit à un moment particulier du rapport à la langue, à la culture, à la pensée de la littérature et à la pensée de la traduction, tout d'un coup, la traduction d'un texte est possible. J'ai du mal à défendre cette position parce que j'y crois pas tellement. Donc, je n'arrive pas tellement à la préciser.
Donc, bon, avant de passer la parole à Patrick Guy, et pour conclure, hein, je dirais que j'ai présenté comme un topos la proposition « La poésie est intraduisible », mais je rappelle quand même que c'est aussi un principe distinctif et qu'il y a une valorisation de l'intraduisible aussi quand on parle de la poésie, et que je pense qu'il faut se méfier beaucoup hein, de cette valorisation hein, de l'intraduisible, parce qu'elle elle confine, enfin elle conduit très très vite à des formes de sacralisation, de sacralité du langage, etc. Et qu'on a toujours plutôt intérêt à penser et à défendre qu'elle est traduisible, et finalement à l'emmener avec le reste du traduisible, hein, comme quelque chose qui est toujours à la fois raté et en marche, comme une sorte de mouvement, de dynamique, hein, qui est aussi une façon dont les œuvres vivent. Donc maintenant, j'aimerais donner la parole à Patrick Guillet, qui s'est forcément heurté à ces questions, qui aura forcément donné des réponses pratiques, qui ne sont peut-être pas du tout celles que j'ai posées, mais avec qui on pourra justement ensuite dialoguer. Bon, je tiens d'abord à vous remercier, hein, poésie en général, les êtres qui l'animent, de m'avoir invité pour cette séance. Qui nous touche particulièrement, puisqu'on évoque évidemment des travaux qui ne peuvent être que chers aux traducteurs. Hein. Et la promesse d'avoir un nouveau texte d'Anton Lehmann, évidemment, nous stimule beaucoup. Alors je vais essayer de dériver à partir des jalons que nous a proposé Tiphaine dans son introduction fournie et très, très synthétique et très, très claire au fond, puisque effectivement ces quatre points, je crois qu'en effet ça tout tourne autour de ça. Et je partirai de la question du monologisme de la poésie dont il a été, dont la formule a été prononcée. Qui serait pour le coup rémunéré par la traduction, si j'ai bien compris. Alors, évidemment, chez Pessoa, ce monologisme, ça n'existe pas. Le système hétéronymique est, par essence, un dialogisme, un plurilogue, et même une polyglossie, puisque je pense que tout le monde sait que non seulement Pessoa a écrit en portugais, mais il a aussi écrit et des dizaines et des dizaines et des dizaines de poèmes en anglais, et même quelques poèmes en français. Voilà, donc le système hétéronymique en lui-même a cette particularité que il suppose cette situation dialogique dans l'avancée même de l'œuvre, de cette œuvre d'ailleurs qui elle aussi chemine est à l'infini, est laissé en l'état lorsque il quitte la vie avant 50 ans. Et c'est de ce point-là que je voudrais parler d'abord, parce que c'est ce qui me pose le plus de questions et qui me les pose le plus intimement possible. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi Tiphaine a bien voulu faire référence au livre « Office du murmure » et « Orifice du murmure » sont des livres de poésie de Moncru. Alors, simplement, deux mots sur cela. C'est le bon ordre. C'est le bon ordre. Il faut d'abord un rite avant de pouvoir accéder aux orifices. Donc, l'office avant l'orifice, il y a une certaine logique pour ça. Mais ce qui compte, c'est le murmure. C'est-à-dire, pour moi, ce qui, depuis très longtemps, me paraît être au cœur même de la poésie et au cœur même de la traduction, c'est ce que j'ai appelé le murmure, faute d'autres mots. Je reviendrai peut-être sur ce terme et sur les sons qu'il compose tout à l'heure. Mais j'ai besoin de vous donner quelques petits éléments de ma réflexion. J'avais été frappé
par le titre de deux poèmes d'Apollinaire qui ont le même titre. Un dans le Guetteur mélancolique et l'autre dans les poèmes posthumes. Ces deux poèmes ont pour titre un mot qui est le suivant, akousmat. Ce mot akousmat m'a beaucoup intrigué parce que si vous le cherchez dans les dictionnaires du XXe siècle, vous ne le trouvez pas. Si vous le cherchez dans les dictionnaires d'esprit positiviste de la fin du XXe siècle, vous le trouvez, mais dans une définition qui le réduit. Grosso modo, ça dit « bruit qu'on croit entendre dans les airs ». Donc il faut faire un peu d'archéologie du terme. Et lorsqu'on fait un peu d'archéologie du terme, on est obligé de remonter au présocratique et à un mot qui... alors évidemment, dans « akousmat », vous avez la racine que vous trouvez aussi dans « acoustique », c'est-à-dire il est question d'écoute. Mais avec ce suffixe concrétisant du « ma », ça signifiait quelque chose qui rentre concrètement dans l'écoute, donc le bruit, le son en général. Sauf que par glissement de sens, et dès l'époque présocratique, vous allez voir pourquoi, ce terme a fini par désigner ce qui rentre dans l'oreille, mais qui ne touche aucun autre sens, et surtout pas la vue. Et l'école pythagoricienne s'en est emparée pour son enseignement qui se déroulait, vous savez, le maître caché par un rideau, et seule sa voix était perçue par les disciples. Au point d'ailleurs que par métonymie, on a appelé chaque proposition du système pythagoricien un akousmat. Voilà. Et le mot évolue ensuite parce qu'arrivent les pères de l'Église, les pères de l'Église qui ont un certain nombre de concepts à trouver pour parler de la voix de Dieu, par exemple quand il s'adresse à Moïse, ou quand il vous parle dans votre fort intérieur, on peut parler de la voix des anges, par exemple dans des expériences comme celle de Jeanne d'Arc quand elle entend des voix, etc. Et donc ce terme a fini par vouloir dire effectivement entendre une parole, entendre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'existentiel, mais vient d'ailleurs, vient de l'au-delà, vient d'un univers, d'un arrière-pays, de quelque chose comme ça. Et à tel point qu'il est très utilisé jusqu'au XVIIIe siècle, dans la littérature, en français en tout cas, dans la littérature mystique ou spiritualiste, notamment dans une expression, être en état d'akousmat, qui signifie connaître une extase, une transe, induite par des voix que l'on entend. Alors Apollinaire est bien conscient de cela, parce que, comme toujours chez Apollinaire, on récupère toute une tradition que l'on va reconfigurer et qu'on va projeter vers une modernité innovante. Et donc, ce qui se passe en la matière, c'est que dans un des deux poèmes, le premier vers dit ceci, « J'entends parfois la voix quiète d'une absente dire de petits mots. » Alors, l'allusion à la tradition mystique, c'est que ces petits mots, dit-il, mots qui finissent en L comme le nom des anges, et donc on voit bien l'allusion, et à la fin, il donne l'exemple, le ciel que l'on médite et le miel que l'on mange. Donc c'est les petits mots ciel et miel, et l'alexandrin que je viens de dire a l'air d'être une sorte de paradigme, de diapason de ce que c'est que l'écriture de la poésie. Le ciel que l'on médite et le miel que l'on mange. Et ce poème s'intitule Akousmat. Donc on a l'impression que Apollinaire nous dit, eh bien, la dimension akousmatique, elle est essentielle à la fabrication du poème. Et le deuxième poème intitulé Akousmat, poème posthume, décrit les bergers qui entendent les anges chanter, qui vont vers Bethléem. Donc nous sommes de nouveau dans cette référence à l'histoire du concept. Et puis tout d'un coup, le poème bascule, rythmiquement et thématiquement, puisque après la description, enfin le récit de cette avancée des bergers vers Bethléem, guidé acousmatiquement par les anges, il y a un vers qui dit « Ah, mais j'aperçois au fond de cette assiette trois chiures. J'ai froid, il fait même très froid, j'ai faim, l'assiette est vide, etc. » Et c'est Noël, il fait froid, c'est l'hiver, on comprend. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il me semble, mon hypothèse ici, c'est que Apollinaire assigne à la poésie de prendre en charge ce que le roman prend aussi en charge, enfin, Édouard Dujardin, fin 19e, et ensuite les Joyce, Larbeau, Virginia Woolf, Schnitzler, etc., à savoir qu'on appelait le discours intérieur, le monologue ou le dialogue intérieur. Et on a l'impression que la situation énonciative du poème, c'est ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui a une assiette où est dessinée, dans le fond, une scène religieuse, hein, comme ça existe, les assiettes de faïence, et puis, à un moment donné, ce qui va faire irruption, c'est le physiologique, c'est la faim, c'est le froid, et le poème, avec égale dignité, traite de la dimension sacrée dont on parlait tout à l'heure, hein, chemin vers Bethléem, et puis de cette situation dans laquelle on a faim, il fait froid, et il n'y a rien à manger dans l'assiette. Et, bon, si mon interprétation d'Apollinaire n'est pas trop déplacée, et je note que, effectivement, Pessoa, lecteur d'Apollinaire et qui a accueilli des textes d'Apollinaire dans les revues futuristes au Portugal, est un contemporain de ces questions. Je me dis que le système hétéronymique ne peut pas être compris sans qu'on accepte qu'il existe dans l'exercice linguistique de l'écriture du poème et dans tout exercice linguistique une dimension acousmatique. Alors de ce point de vue-là, ça pourrait croiser des travaux qui sont des travaux que j'aime beaucoup de Gabriel Bergugnou, le frère de Pierre Bergugnou, qui est un linguiste de l'Université d'Orléans, qui a publié au début d'année 2000 chez Verdier un ouvrage qui s'appelle « Le moyen de parler », qui est consacré à ce concept qui est évidemment issu dérivé des préoccupations des romantiques dont tu parlais tout à l'heure, a beaucoup préoccupé certains linguistes, notamment français, de la fin du 19e siècle. Des gens comme Victor Heger, par exemple, sous l'appellation « la parole intérieure ». Alors évidemment, il faut déconnecter voix intérieure, parole intérieure, à mon avis, de tout le contexte romantique et qui pourrait me renvoyer à la reconduction pure et simple du mythe de l'inspiration. Et c'est ce que fait Bergugnou, puisqu'il dit « bon, les neurolinguistes nous montrent que notre cerveau pendant 24 heures, produit automatiquement des millions de combinaisons linguistiques, et que si nous voulons parler, il nous faut être à l'écoute de ce magma linguistique pour le canaliser. Et si nous voulons écouter aussi, parce que nous savons tous, nous en avons tous l'expérience, peut-être que certains d'entre vous l'ont en ce moment, ils entendent ma voix, mais comme leur magma linguistique est plus fort, ils ne m'écoutent pas vraiment. Ce qui est peut-être d'ailleurs aussi ma faute, bien sûr, mais à coup pas, bien sûr. Voilà. Donc, on pourrait à la fin faire un test et nous demander ce qu'on a retenu de ce que vous nous avez dit. On verra plus tard. Et donc, si vous voulez, ce qui m'a intéressé à partir de là, dans Pessoa, comme lecteur, traducteur ou comme traducteur, lecteur, c'est d'être à l'écoute de son écoute. Voilà. De ce point de vue-là, je revendiquerai une filiation du côté des linguistes comme Herder ou Humboldt, hein, qui sont des gens pour qui l'oreille est le sens linguistique par excellence. Et donc j'ai chez Pessoa trouvé une véritable mine, si vous voulez, tous hétéronymes confondus, d'indications, de formulations sur cette dimension que j'appelle acousmatique, que Bergugnou appelle endophasique, enfin bon, on ne va pas se disputer sur la terminologie, mais c'est mon intuition finalement, c'est que si on est attentif à la façon dont les textes ont enregistré une écoute, alors cette écoute, ce n'est pas simplement une écoute linguistique, c'est aussi une écoute des paysages sonores du monde, mais si en effet, selon la petite parabole que raconte Herder pour expliquer l'origine du langage. Je vous la rappelle rapidement, parce qu'elle est très drôle.
Au commencement, l'homme n'a pas le langage, il se promène dans la nature, il croise un mouton. Le mouton regarde l'homme regarde le mouton fait « bah » et s'en va. Et puis, quelques temps après, nouvelle rencontre entre l'homme et le mouton, nouveau « bah » du mouton, il s'en va. Et au bout d'un certain temps, dit Herder, lorsque l'homme croise le mouton, l'homme dit « ah, mais je te reconnais ». Tu es la chose qui fait « bah ». C'est-à-dire, le langage vient parce qu'on a su entendre un paysage sonore, et à partir de là, le langage va s'autonomiser, va s'élaborer, va se configurer. Alors bien évidemment, je raconte ça rapidement, c'est un peu caricatural, c'est plus sérieux que ce que je dis, mais si véritablement l'oreille est à la base, si vous voulez, des opérations linguistiques, dis-moi comment tu écoutes, je te dirai quel poème tu es. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on peut avoir l'intuition, ou en tout cas peut-être l'illusion, je ne sais pas, d'un accès par l'écoute, telle qu'elle peut être réglée par ses préambules, à ce que j'ai appelé à Narle l'autre jour, je crois, le cœur battant. C'est-à-dire ce qui est... tout à l'heure, Tiffaine a fait allusion à cette formule d'Antoine Berman sur le poème qui propose à l'oreille humaine. Et effectivement, bon, moi je me reconnais totalement là-dedans, parce que effectivement je pense que, et chez Pessoa ça me paraît exemplaire, à cause de la dimension dialogique essentielle de ce dispositif hétéronymique, je pense qu'être à l'écoute avec les pratiques qu'il faut élaborer, bien sûr, bon, c'est peut-être pas le lieu de rentrer dans le détail ici, être à l'écoute de ce qui anime l'écoute d'un poème me paraît essentiel pour le traducteur. Et alors évidemment, ça développe ce que Barthes appelait une double écoute, c'est-à-dire effectivement, on est à l'écoute de ce qui est dans le texte que vous avez à traduire, dans l'œuvre que vous avez à traduire, mais bien sûr dans ce qui va se mettre à vibrer, ce qui va se mettre à s'éveiller par écho dans votre pratique créatrice, dans la langue qui est la vôtre. Voilà. Et bon, c'est un petit peu le résumé de ce que je voudrais vous dire ici. Il y a des formules de Pessoa que je peux citer pour étayer un peu les propos. Par exemple, il écrit en français. C'est peut-être l'amorce d'un poème qu'il n'écrit pas, mais en tout cas, c'est en marge de feuillets où il y a des poèmes écrits en français. Il écrit en français « Il y a en moi un tumulte terrible ». Et il souligne l'été. « Il y a en moi un tumulte terrible ». Donc, il entend dans le français... Le jeu allitératif, qui évidemment est une pulsation du poème, et ça me paraît très intéressant. Il y a d'autres exemples que je pourrais vous dire. Il y a simplement une chose que je pourrais peut-être dire, et je ne sais pas depuis combien de temps je parle, et peut-être que donner un exemple en portugais et en traduction sera une façon de conclure en retirant sur la pointe des pieds avant la discussion. Il me semble que, si vous voulez, Pessoa a toute sa vie cherché à réaliser un projet éditorial qui aurait consisté à publier au Portugal, en un volume, l'ensemble de l'œuvre poétique hétéroninique, c'est-à-dire l'œuvre de Campos, Cairo, Reis et du Pessoa dit ortonyme. Et le titre général, il y a plusieurs versions, mais celui qui revient le plus souvent, et qui finalement est celui qui a été, adopté, c'est « Fiction » au pluriel de l'interlude. Alors, ça m'intéresse beaucoup ce terme de « fiction de l'interlude » parce que l'interlude, c'est le jeu entre, bien sûr, mais c'est aussi ce qui apparaît, qui disparaît, et ce qui... et des sens musicaux. Et
il se trouve que Pessoa a intitulé Fiction de l'interlude un cycle de 5 de ses poèmes publiés sous son nom, donc des poèmes dits orthonymiques, dans une des revues qu'il a animées dans sa période futuriste, à savoir la revue Portugal Futuriste, Portugal Futuriste. Et dans ce cycle Fiction de l'interlude, il opère à ce que j'appelais moi une déconstruction des esthétiques et des poétiques symbolistes, post-symbolistes et futuristes. Et ce texte est écrit au moment où il commence à concevoir qu'est-ce que c'est que ce dispositif de l'hétéronymie. Et donc ça me paraît très significatif que le titre général assigné par Pessoa à ce projet éditorial de publier en un seul volume l'ensemble de ce polylogue hein, de l'hétéronymie ça soit le même que le titre d'un poème, d'un cycle de poèmes au cœur duquel se trouve le poème que je vais vous lire, qui est un poème où Pessoa sature le jeu allitératif en langue portugaise totalement, comme s'il s'agissait de marteler ce tumulte terrible dont on parlait tout à l'heure en portugais et d'en faire un bégaiement inaugural duquel ensuite pourraient dériver les différentes voies VOIX hétéronymiques. Alors peut-être je peux terminer avec ça, c'est-à-dire lire le portugais, la traduction provisoire. Il se trouve que le mot saudade, qui est réputé intraduisible, est dans le titre de ce texte. Voilà. Donc le titre, c'est Saudade Dad. Alors, le sens saudade, évidemment, c'est tout un sujet, donc on va garder le mot saudade, intraduisible. C'est ce que j'ai fait dans Pléiade, d'ailleurs. Et dad, ça veut dire mot à mot donner, mais en fait, le verbe donner a plutôt le sens en portugais de une sorte de crise de saudade, d'accès de saudade, mais en même temps de saudade par excellence mise là dans un poème. Alors, comme c'est saudade dada et que le titre fait ce que va faire le poème, à savoir une allitération insistante, je propose saudade ad hoc, par exemple, comme ça on aura un bégaiement. Je vous lis le texte en portugais, puis je vous lirai ma traduction. Em horas indolores, lindas, clorindas e belindas, brandas, brincam no tempo das berlindas, as vindas, vendo das varandas, de onde eu venho vir a rir as vindas, fitam filhas frias, bandas. Mas em torno a tarde se entorna, atordoar o arqueado que a eterna tarde já não torna. E então do atuar, da todo o alardo, adornado ardo, transtorna no ar do torpor da tarde, tarde. E há nevoentos desencantos, dos encantos, dos pensamentos, dos centros lentos, dos recantos, dos ventos, cantos, dos conventos, prantos de intensos, lentos, tantos, que encantam os atentos ventos. C'est un peu les chaussettes de l'archiduchesse. Voilà. Et la traduction du poème. Bon, ça va. Alors, traduction évidemment fortement améliorable. Mais bon, c'est ce qui est arrêté au Kairos de l'édition de Pléiade. En des heures encore dorées, de belles Bélises et Isabelle, bien affables, au temps des berlines jouent au jeu des gages, des varangues voyant les filles qui viennent. Entendant venir le rire des nouvelles venues, leur groupe froid en fixe le fil. Mais encerclant le soir la brise qui brûle, en sursaut de stupeur verse et se disperse, car le soir éternel ne retourne plus. Puis, en effet de fanfare, le fracas entier des chaleurs chaloupant se déverse au souffle de torpeur du soir qui s'attarde. Et il est de brumeux des enchantements, de l'enchantement attaché aux pensées chez les saints lents des recoins et des rechamps, aux coins nimbés de champs bénis des couvents. Lamento, car intense, lent, et tantôt, tellement, qu'ils enchantent les vents attentifs. Voilà.
C'est vrai que la proposition, enfin moi j'ai pu écrire à propos des traductions de poèmes de Cummings, seul l'intraduisible méritait d'être traduit, c'est une position un peu malarméenne, disons, et en même temps, elle fait écho à Cummings lui-même, était sur cette position. Alors, en réalité, je ne le soutiendrais pas comme ça, mais au fond, c'est quand même bien dans une perspective comme celle-là que je me situe. Mais alors, si je cherche à l'expliciter un tout petit peu plus, je dirais, bon, il y a un vers de Virgile qui me trône toujours dans la tête, qui est « Infandum regina iubes renovare dolorem ». Et c'est sur cette « infandum » qui fait référence, évidemment, bon, à l'indicible, mais où on entend l'enfance, qu'on pourrait traduire aussi par « intraduisible ». Ce que tu me demandes, Reine, là, de rappeler, c'est « intraduisible ». On pourrait traduire comme ça. Donc on peut traduire comme ça, d'une certaine manière, pour renvoyer donc à ce qui se joue dans la traduction, en tout cas pour moi, et qui tisse le rapport entre la traduction et la poésie. C'est au fond ce jeu de la réinvention de sa propre langue. C'est à du moment où le français, qui est une langue maternelle, me devient d'une certaine manière étranger. Les choses les plus simples, je vais me demander brusquement comment les dire, tout ce qui est de l'ordre de l'évidence dans la communication, dans la parole courante, etc., se trouve d'inanité. Et là est pour moi le rapport entre poésie et traduction. C'est-à-dire que dans la traduction, il y a toujours ce moment qui est à la fois terrible et qui fait partie aussi du plaisir de la traduction. Enfin, c'est une expérience très, très ambiguë et oxymorique d'une certaine manière, qui est ce moment où brusquement je ne sais plus. Ni le français, ni rien, d'une certaine manière. C'est ce moment-là qui est très déstabilisant, d'une certaine manière, mais qui profondément m'intéresse parce que, du côté de la poésie, c'est cette expérience-là qui se joue aussi, sans doute autrement, puisqu'il n'y a pas là de. Le prétexte, je serais assez, moi, sur une position qui dirait, effectivement, la poésie elle-même est traduction, mais il n'y a pas de prétexte, vous voyez, d'une certaine manière. Quelle que soit la façon dont on entend le terme de prétexte ici. Donc voilà, alors, dans la traduction, il y a aussi ce moment où on essaye de se rapporter, non pas d'ailleurs tellement à une langue, mais à une singularité, ça me paraît très important. Est-ce qu'on traduit, quand on dit, est-ce qu'on traduit de l'anglais, de grec, bon, mais c'est toujours quelqu'un, si une voix singulière, en essayant peut-être de se rapporter justement à ce qui est l'infandum du poème, par exemple, que je traduis, ou même dans le roman, de l'élément poétique du roman, qui est ce qui m'intéresse dans la traduction des romans d'une manière générale, ou du théâtre aussi bien d'ailleurs. Donc c'est se rapporter à cette sorte de point aveugle, où là effectivement l'écoute joue un rôle qui est primordial, mais traduire c'est d'abord écouter, mais écrire les poèmes c'est d'abord écouter. Et puis à partir de là, alors peut-être il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vision qui surgit. Enfin bon, je ne sais pas si on peut analyser des choses comme ça, c'est du synesthésique que ça. Qui est donc ce moment du surgissement, rejouer cela
sans cesse, qui est d'une certaine manière rejouer son enfance, rejouer le moment où on se met doucement à parler et à dire quelque chose. Voilà. Enfin, moi, c'est là-dessus. Alors après ça, bon. Alors justement, enfin, puisqu'on fait aussi des ponts avec Davantadin, toi qui traduis plusieurs langues, dans cette espèce de dépossession de la langue maternelle qu'on peut avoir à un moment dans la traduction, Zerman suggère que on se libère en n'étant pas dans un face-à-face d'une langue avec une autre, mais toujours avec Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a un texte qui m'intéresse beaucoup, et c'est une question que j'aimerais beaucoup approfondir, c'est ce que dit Walderman de la troisième langue, oui. À propos de Chateaubriand, si je me souviens bien, et sa traduction de Milton, dont effectivement la traduction est la lettre, l'auberge de l'étranger. Dans la mesure où, si disons, enfin maintenant, là je suis revenu à ce qui m'a été à cours d'enfance, qui est le grec, mais je peux dire que au fond, sont ces études, l'étude des humanités en général et du grec en particulier, qui m'ont orienté du côté de la traduction, même si j'ai été du côté de l'anglais et que j'ai toujours cela. Je sais en arrière-plan quand je traduis, quels que soient les textes que je traduis, bon, dans la mesure où par là aussi est passé pour moi l'apprentissage de ma langue. Donc là, c'est évidemment la partie. Mais effectivement, il y a cette forme de médiation. Et toi, Patrick, ça se joue pour toi, la question de la troisième langue ? Oh ben oui, puis d'ailleurs, ça joue aussi, notamment, dans, je n'ai pas traduit Pessoa, mais dans Pessoa, puisque c'est fondamental. Je pensais à la formule de Derrida sur le plus d'une langue, qui serait une des définitions possibles, dit-il, de la déconstruction. Bon, et effectivement, la polyglossie créatrice de Pessoa, elle est en quelque sorte un effet d'amplification de ces phénomènes dont parlait Robert à l'instant. C'est-à-dire que quand on traduit Ricardo Reich, par exemple, Ricardo Reich, c'est quelqu'un qui fait entendre le latin et la prosodie horacienne dans le portugais. Quand on traduit Álvaro de Campos, c'est quelqu'un qui fait entendre Whitman dans le portugais. Et ensuite, quand on traduit le poète dit orthonymique, il ne cesse d'ailleurs même de mettre en abîme ça parce qu'il dit oui, je suis portugais à l'anglaise. Et effectivement, on entend dans son portugais parfois des choses anglaises et dans sa poésie anglaise. Aucun traducteur patenté. Qui avait été contacté pour le traduire, pour d'abord l'édition Bourgois, ensuite pour la Pléiade, n'a voulu traduire. Parce que c'est un anglais monstrueux, impossible, fait d'innutrition, de collage, de, comme une chimère, hein, entre l'anglais de Chaucer, de John Donne, de Coleridge, de Whitman, etc. Et plus le fait que effectivement il a appris l'anglais après avoir été longtemps dans le portugais. Donc son anglais parfois décontenance les anglophones et les traducteurs de l'anglais parce qu'il y a autre chose, il y a cette troisième langue qui est le portugais qui vient battre. Battre. Donc, finalement, c'est moi qui m'y suis collé parce que il fallait justement essayer d'être sensible à cette dimension-là, hein, encore une fois, cette écoute-là qui était manifestée dans le texte. Ouais, mais on a bien écouté, il doit parler Sophocle. Il doit nous traduire Sophocle. Et ensuite, juste une chose, parce que je l'ai un peu annoncé, puis c'est revenu sur mon murmure. Mon murmure, c'est un bégaiement, effectivement, littéral, et je l'ai retrouvé en
quelque sorte chez Pessoa, et peut-être justement parler à l'instant des jaillissements, des commencements, de ces moments où effectivement les langues se répondent et nous requièrent d'être à l'écoute de leur émergence. Bon, voilà, c'est ça. Patrick, ce qui me frappe toujours quand on parle de traduction, et la manière dont le propos a été abordé cet après-midi l'atteste, c'est que finalement, il y a deux grands types de discours sur la traduction. Il y a un discours très spéculatif, qui est un discours très très grave, puisqu'il touche finalement à ce qui est l'imaginaire de la langue, et de ce qui est l'appartenance d'un sujet à sa ou à ses langues. Et dans cette configuration, comme l'a montré Tiphaine, le poétique joue un rôle décisif parce que ça serait le point le plus haut de la coïncidence d'un sujet avec sa langue. Et donc, du coup, c'est à ce propos-là qu'évidemment, l'écart entre langue de communication et langue artistique serait plus grand. Et dans la pensée de la spéculation de la traduction, on a l'impression vraiment que le point le plus loin, le point le plus haut, c'est le poème. Et ce qui est très frappant, c'est que tous les penseurs spéculatifs, dont Antoine Berman, quand ils s'occupent d'un point de vue spéculatif de la poésie, ils ont un horizon qui, moi, me paraît un horizon qu'il faut toujours remettre en question. Et qu'est-ce que c'est que cet horizon? C'est l'horizon que, et qui en fait a une histoire qui vient pas simplement du romantisme, mais aussi des traductions de la Bible, etc., c'est l'horizon que on va atteindre cette troisième langue qui va être la langue de l'annulation des langues. Le cas le plus exemplaire de ça, on le sait, c'est Benjamin. C'est-à-dire qu'à la fin, ça sera une langue que ne parlera personne, c'est la langue du dimanche, la langue des oiseaux, la langue de la fête, etc. Il y a la même chose chez George Agamben, il y a la même chose chez Derrida, dans le texte sur le monolinguisme. Il y a la même chose sur Adorno, un texte stupéfiant où on pourrait penser qu'il allait développer une pensée proche de la tienne sur les mots étrangers, en disant ce qu'il y a de formidable quand on traduit les mots étrangers, c'est qu'on sent au contraire qu'il n'y a pas de langue propre, etc. Et puis il dit à la fin, ben non, justement, ce qu'indiquent les mots étrangers qu'on ne peut pas traduire, c'est que finalement, entre les deux langues, il y a toujours une langue à l'horizon. Alors cette... Mais c'est pas la même. C'est pas la même. Parce que justement, celle de Benjamin, de Rosenzweig, etc., c'est quand même une langue unique. Oui. Alors que la troisième langue, c'est une troisième langue concrète... qui n'est pas en fait c'est pas dialectique. Oui, oui, oui. C'est ça qui est intéressant, je trouve. S'il y a la troisième langue qui est la dialectique, en fait, qui est la réunion des. Enfin, l'annulation du deux, donc d'une certaine manière, l'annulation de la traduction. Mais ce qui est intéressant, qui n'a pas été encore vraiment complètement théorisé, mais qui est à l'horizon de toute pratique et qui est vraiment, j'ai compris, exprimé par tous les traducteurs et notamment les traducteurs de poésie. C'est cette troisième langue concrète qui n'est pas un horizon dialectique. C'est ça. Et alors justement, le deuxième niveau, c'est quand on parle de nos pratiques de traducteur et qu'on rejoint une position que tu rappelais être aussi celle de Jacobo, on est confronté à un tout autre type de discours. Et je trouve que ça a été très frappant en toutes les prises de parole qui ont été là. Et c'est quoi cette autre pratique? C'est que, finalement, quand on s'intéresse aux poètes que nous traduisons, étrangement, c'est tous des traducteurs. C'est-à-dire, Pessoa, c'est un traducteur, Cumming, c'est un traducteur, Zanzotto, c'est un traducteur, De Signoribus, c'est un traducteur, pour citer les... Et moi, en m'intéressant au cas italien, et j'en viens à la question que je vais vous poser, j'ai été très frappé par une chose, c'est que, en Italie, il y a un genre, et dont je ne sais pas s'il a des équivalents dans les langues que vous connaissez, qui est un genre poétique très particulier, qui n'a pas encore, à mon avis, trouvé les études convenables à la portée du phénomène, qui est le carnet de traduction. Si on prend tous les grands poètes, au moins, disons, depuis Ungaretti, en Italie, ils ont publié des quaderni di traduzione. C'est le cas, j'en donne une liste pour vous montrer l'étendue du phénomène, c'est le cas Ungaretti, de Montale, de Sereni, de Luzzi, de Bertolucci, de Zanzotto, de Luciano Erba. C'est-à-dire, il y a un genre, et alors ce qui est très étrange, c'est que ce n'est pas comme dans les bibliographies françaises, où tu mets tes poèmes, et puis traducteur,
quaderni di traduzione, tu mets dans la liste de tes recueils de poèmes i quaderni di traduzione. Et donc, alors ça tient évidemment à un rapport des Italiens à leur langue qui n'est sans doute pas celui des poètes français à leur langue, puisque ce n'est pas un genre français, le quaderni di traduzione. Et la question justement que je voulais te poser est la suivante. Est-ce que, en traduisant, en théorisant la traduction de Pessoa, tu trouves, on va dire, une analogie, une articulation forte entre la pratique de l'hétéronymie et la pratique de, justement de la polyglossie, du plurilinguisme? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression que pour beaucoup de poètes, c'est le cas des poètes italiens que j'ai cités, que la traduction, c'est une manière de dissocier, on va dire, lyrisme et subjectivité, d'inventer un autre type de lyrisme qui passe par la traduction, qui passe par le fait que quand j'écris, j'écris en tant que poète traducteur, etc. Et je me disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait dire de Pessoa? Mais je crois que tu as répondu en partie en disant qu'ils avaient chacun. Voilà, que tu continues là-dessus. En fait. La réponse, elle est évidemment oui, puisque tu rappelais que Pessoa, effectivement, a traduit, et c'est auto-traduit. Voilà. A fait quelques tentatives d'auto-traduction il le fait dans un pays où on a cette tradition, pas sous le même terme, mais on a cette pratique en tout cas, que certains poètes publient au titre de leurs œuvres complètes des volumes qui sont des anthologies de personnel d'auteurs étrangers qu'ils ont traduits. Voilà. Et pour le hongrois, c'est pareil, c'est-à-dire toutes les générations de poètes hongrois ont traduit, par exemple, certains auteurs paradigmatiques de leur culture, par exemple François Villon. François Villon, auteur traduit par toutes les générations de poètes hongrois. Voilà, exactement. Et à tel point que le grand poète hongrois Attila Joseph, au début du XXe siècle, a été influencé par son travail de traducteur de Villon. Donc, pour bien répondre à ta question, la configuration hétéronymique, elle amplifie tout ce que l'on peut trouver dans d'autres expériences singulières. Voilà. Donc, si on est à l'écoute de ça, si on est attentif, on ne peut que aboutir aux conclusions que tu viens de donner. Et puis, je remarque en écho. Un passage le liminaire de ce qu'a dit Tiphaine. C'est-à-dire, comment dire ça? La grande affaire, c'est l'histoire de la traduction de la traduction. Mais nous ne sommes plus des romantiques. C'est-à-dire que la première traduction, au fond, de la langue d'origine, ou ce qu'on veut, qui est en même temps la nature, d'une certaine manière, dans le poème, au moins, pas dans la salle, personne n'y croit. De sorte que ce qui est en cause, c'est la traduction de la traduction. Alors, je vais vous faire une citation, parce que c'est cette chose-là que je trouve très préoccupante. Et j'ai trouvé avant-hier, en écoutant Maspero parler de Baiejo et en produisant son livre, qui vous signale donc 3 jours d'existence, qui est la traduction qui vient de sortir au seuil de Baiejo, dans sa préface et dans son propos, il cite Tsvetaïeva dans une lettre à Valérie. Or, c'est, si on veut, au fond, c'est le stéréotype, peut-être à déconstruire, comme on dit de plus en plus souvent, parce qu'effectivement, je le fais entendre. C'est l'affaire de la traduction, mais pas, ça dépend dans son sens romantique. Alors, Tsvetaïeva, on dit Pushkin intraduisible. Dès qu'on a un ami russe, commence par vous dire, Pushkin est intraduisible. Pourquoi? Chaque poème est la traduction du matériel en spirituel, de sentiments et de pensées en paroles. Si on a pu le faire une fois en traduisant le monde intérieur en signe extérieur, parenthèse ce qui frise le miracle, pourquoi ne pas pouvoir rendre un système de signes par un autre? C'est beaucoup plus simple dans la traduction d'une langue par une autre
le matériel est rendu par le matériel, la parole par la parole, ce qui est toujours possible. Donc cette histoire de cascade de traduction, autrement dit, si on commence par penser la traduction dans la première grande généralité comme expression, c'est-à-dire rapport, relation générale d'un dedans, un dehors, une intériorité par rapport à une extériorité, l'intériorité d'ailleurs étant pensée elle-même à partir de l'intérieur, c'est-à-dire dans la relation d'un spatial, d'un dedans, d'une pièce, d'une autre. Si on commence à penser, ou disons, comment sortir de ce puissant stéréotype, à savoir, il y a d'abord l'expression, par exemple, ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement, etc., conception, énonciation, et les mots de Boileau sont des mots toujours modernes et en vigueur dans la linguistique et ailleurs. Alors, on pense la traduction comme une traduction de traduction, non plus dans les termes du romantisme. Et c'est là que se glisse la chose, il me semble, en tout cas, le stéréo le plus tenace qu'il faudrait. C'est-à-dire quitter la traduction comme expression, quitter le sub de la substance pour le trans de la traduction. Voilà. Alors, Tiphaine, vous avez utilisé un mot, peut-être pas aujourd'hui, mais dans un autre texte, le mot de procréation comme, je ne sais pas si c'est la métaphore, enfin, comme les mots pourraient être mis en avant dans cette affaire de la traduction. Pour quitter peut-être un âge de la traduction, je pense quelque chose, autrement dit, c'est le stéréo de la littérature. Hein. Son front rouge exprimait sa colère. Alors, pour aller dans une autre direction, justement, le trans, la traduction, au fond, traduction sans s'occuper du tout de la traduction d'une pensée ou d'un sentiment en parole, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si, ce serait idéal s'il y avait si la technique marchait très bien. C'est-à-dire que, comme beaucoup de techniques, elle est défaillante. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'embarrasse de tant de questions non techniques. Parce que finalement, même techniquement, c'est pas facile de passer un système dans un autre, d'une langue à l'autre, c'est pas facile de s'en tenir. Ce que je veux dire, c'est de ne pas être dans l'obsession que les mots qu'on a sous les yeux sont d'abord une traduction de ce que quelqu'un avait, mais sous quelle forme? Dans la tête. C'est-à-dire, moi, je prends tout à fait au sérieux le grand texte de Kleist, qui est magnifique, Allmählich Verfertigung des Denkens beim Reden. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces deux. Il y a la pensée qui consiste en beim Reden, l'accomplissement. Donc, c'est cette affaire. Alors, la traduction prise dans ce mouvement, au lieu d'être sans arrêt obsédé de ce, comme le dit, j'ai bien compris la parole de Setaïeva, quand même extraordinaire, de simplification. Ce qu'il a ressenti, qu'il a exprimé une première fois, on va l'exprimer par une traduction seconde. Et là, c'est cette chose-là qu'il faut déconstruire, comme vous dites, finalement, détruire, si on veut. Oui, ça, il y a quand même beaucoup de traducteurs aujourd'hui qui le détruisent, et qui, la difficulté vient moins de traduire l'expression qu'une certaine mémoire qu'on en a dans la langue, dans la culture, et ça. Enfin, moi, quand j'ai proposé de remplacer l'ontologique ou le transcendant par le pro, de procréation, c'est à la fois dans le sens de en avant, oui, voilà. Et puis à la place, oui. Voilà, le remplacement et en avant. Bon, après, c'est vrai que ce qui est amusant, mais bon, c'est quelque chose que je continue à développer, mais donc, je fais paraître un petit extrait dans Poésie, le prochain numéro, c'est que la métaphore de l'appropriation, des douleurs de l'enfantement, est très souvent utilisée par les poètes ou même les théoriciens, traducteurs, pour parler de la traduction. Alors que la création est davantage exprimée par les métaphores de l'enfantement lui-même. Là, c'est les métaphores des douleurs. Je fais un petit relevé de ces métaphores. Mais alors, cette affaire de Kairos, on va le dire d'une autre façon, parce que il faut considérer les âges de la traduction. Finalement, la traduction correspond à un besoin. Enfin, la traduction renvoie à l'interprétation. C'est-à-dire, il s'agit d'interpréter un texte à nouveau frais. On ne va pas s'en tenir à telle manière de canoniser une fois pour toutes qu'on se refile comme ça. Donc le kairos, ça veut dire le moment pris au sens large, le moment de la vie spirituelle, intellectuelle, culturelle, si vous voulez, à tout prix, où il s'agit
d'interpréter, c'est-à-dire de faire penser, peut-être comme il ne l'a pas pensé, peu importe, mais à nouveau frais, le texte dont nous parlons. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation. Par exemple, donc, c'est que choisissons-nous de traduire pour le rejouer, le redonner à nouveau. Voilà. C'est ça, Kairos, parce que vous n'avez pas un peu étonné par cette histoire de Kairos. Non, parce qu'en fait, la plupart, mais même dans l'auberge du lointain, Bernard Nody, mais il y a beaucoup d'autres penseurs et traducteurs, heureusement, parce qu'il y a quand même toujours une tension pour tout traducteur, à la fois d'actualiser, en effet, donc un moment d'interprétation, etc. Il y a quand même aussi le désir de traduire le mieux, pas forcément pour dépasser, pour ceci, cela, mais il y a quand même une volonté de dépasser l'impossibilité constitutive ou le... Donc, de toute façon, cette tension existe. Mais la théorie du kairos de la traduction, c'est quand même, il y a quand même des théoriciens qui pensent qu'à un moment, une œuvre peut être traduite et qu'elle trouve ses chefs-d'œuvre en traduction dans telle ou telle langue à tel ou tel moment. C'est-à-dire que cette pensée plus relative que vous énoncez de l'actualisation, chaque traduction comme interprétation, actualisation, etc., elle n'est pas du tout partagée par tout le monde. Le kairos, c'était la réforme qui arrivait et que Luther devait traduire.